Yo, vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sensei Awakening. Et quelle vidéo! Aujourd'hui on va présenter tout simplement Shiryu Got Close qui va arriver. On a eu l'annonce du coup sur Facebook des devs. Ça va être juste incroyable, le perso est trop fort, il contre, il tank, il fait tout, le café, le thé, il se soigne, c'est incroyable. Et en plus de ça, on est en compagnie de Dan comme d'habitude. Comment tu vas, Dan? Yo, ça va, bah, super content d'être encore comme une fois là. Et la petite, en plus, la surtout routine, que cette fois-ci tu m'as dit que tu n'étais pas trop d'accord sur certains trucs avec moi, donc ça va débattre. Ça va débattre. Ça va être cool. Ça va c'est être intéressant. Cool. Donc, Dan, toujours, il y a le petit Twitter là de Dan. N'hésitez pas à aller check. Je vous fais un petit sondage ici. N'hésitez pas à cliquer. Donc, est-ce que à la fin de la vidéo, vous trouvez Shiryu Got Close pété ou pas? Bah, vous avez juste à répondre sur le sondage qui est juste ici. Et c'est puis, oui, c'est oui, c'est oui. Voilà. On va passer à la petite fiche de Dan. Alors, la fiche de Dan, on va commencer à parler du perso en général. Alors Shiryu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un perso qui va permettre tout simplement de tanker, donc il va pouvoir prendre les dégâts à la place de deux personnages qui vont être tout simplement adjacents à lui, à droite et à gauche. Il faudra bien gérer sa vitesse. Il va permettre aussi de contrer, donc de mettre des très bons contres qui vont permettre d'infliger pas mal de dégâts aux ennemis. Et en plus de ça, il va pouvoir se heal tous les deux tours et avoir un bouclier. Donc voilà, le perso est clairement très fort comme vous voyez sur le papier, et même en pratique vous allez voir qu'il va être incroyable. Du coup on va passer sur le premier skill. Donc le premier skill, attaque basique, hein, 200 à 150% de dégâts physiques en fonction du level, hein. Comme d'hab, je vous dis la valeur la plus basse à la valeur la plus haute. La première c'est le level 1 et la dernière c'est le level 5. Après avoir lancé donc le skill 2 sur lequel on va revenir juste après, ce skill-là, il va avoir une deuxième fonctionnalité. On va pouvoir le lancer sur un allié. Et ça va permettre tout simplement d'avoir de 60 à 100% de chance au level 3 de poser une marque du dragon sur cet allié. On reviendra après sur la marque du dragon, etc. Mais en gros, ça va permettre tout simplement à Shiryu de contrer si le perso avec la marque va se prendre des dommages, tout simplement. Et en plus de ça, en montant ce skill, vous allez pouvoir monter le nombre maximum de marques, enfin le nombre maximum de perso où vous allez pouvoir poser une marque. Donc de 1 à 3. Donc 3 persos différents, level max. Le deuxième skill, le skill principal, celui-là qui est vraiment, qui rend le perso très fort. Et où tout simplement tous les skills vont pivoter autour. Alors, on augmente la réduction de 10 à 30%. En plus de ça, on obtient une action supplémentaire. Donc dès que vous l'utilisez, hop, ce skill va disparaître. Et vous allez gagner un deuxième skill. Donc Shiryu, il va gagner de 50 à 150% de PV max et le même montant en bouclier. Donc si vous avez 100 000 HP, vous allez gagner 150 000 HP. Donc vous allez avoir 250 000 HP et en plus de ça, vous allez avoir 150 000 HP de chip shield. Donc 400 000 HP en gros, en comptant le bouclier, ce qui est plutôt assez conséquent, ma foi. Hein. Et alors à savoir qu'il va perdre 18% de ce bonus max à chaque tour. Donc il va perdre les PV que vous avez en bonus, mais pas le shield. Donc ça va décroître à chaque tour de 18%. En plus de ça, 70% des dégâts infligés aux alliés adjacents à Shiryu vont être infligés à Shiryu à la place. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir 6 persos dans votre équipe. Par exemple, on va Shiryu qui va jouer en 3ème position. Et bah Shiryu, lorsqu'il va lancer son sort, il va protéger le 2ème perso et le 5ème perso. Attends, le deuxième, pardon, et le quatrième perso, vu qu'il a la troisième place. Donc, à droite et à gauche, il va venir protéger les persos qui sont positionnés à cause de lui. On ne choisit pas les cibles, c'est automatiquement. Il faudra donc bien gérer votre vitesse pour mettre les persos de votre choix, donc, aux côtés de Shiryu pour qu'il les protège. Chaque fois que Shiryu perd 5% de ses PV, il va gagner une âme du dragon. Donc, on va revenir juste après sur les âmes du dragon, vous inquiétez pas. Alors, lorsque le skill 2 il est lancé, voilà, comme je disais tout à l'heure, on va avoir le second skill. Et ce skill-là, tout simplement, il va pouvoir permettre de se heal tous les deux tours en fonction du nombre d'âmes du dragon qu'on a. Donc, autant vous dire que le perso est très fort. Hein. Le shield, vous allez pouvoir le lancer qu'une fois, du coup. Donc, il faut faire très attention sur qui vous lancez et à quel moment vous le lancez. Il coûte 3 d'énergie. Donc, c'est vrai que c'est un peu conséquent. Hein. Je vous conseillerais de le jouer avec une Athéna ou un Kiki pour pouvoir quand même faire quelque chose d'autre de votre tour. Et en plus de ça, il va soigner donc de 5 à 10% plus stats de soins en fonction du level où vous avez mis skill lorsque vous le lancez une deuxième fois pour vous soigner. En fonction du nombre de dames du dragon que vous avez. On va passer au skill 3. Donc le skill 3 le moins intéressant selon moi. Pourquoi? Tout simplement,
Il va permettre de lancer 3 dragons sur un ennemi, de consommer toutes les âmes du dragon qu'on a, et par âme du dragon supplémentaire, il va lâcher un dragon en plus. Donc si la cible est tuée, les dragons ils vont aller se ruer sur la personne, sur le personnage qui est à côté, qui a le plus de vitesse, et ça va consommer tout simplement toutes ses âmes du dragon. A savoir que le soin aussi consomme toutes les âmes du dragon. Et chaque dragon il va infliger de 60 à 110% de dégâts physiques. Donc ce skill là, pourquoi je vous dis de ne pas l'augmenter? Parce que la principale utilité de Chiru, ça va être de tank et de contrer. Il va déjà faire pas mal de dégâts sur ses contres au fur et à mesure. Ce skill là, ça va vraiment être un finisher. Et il va consommer tout simplement toutes vos âmes du dragon. Donc ce qui va baisser vos soins. On va le voir aussi juste après, baisser aussi vos dégâts. Donc c'est vraiment pas un skill à prioriser. Les soins, on va les mettre quand on est un peu dans la panade, quoi. Hein. On va un peu les mettre en dernier recours. Et clairement, les dégâts là vont pas servir à grand chose, sinon à finir un adversaire qui est vraiment problématique. Donc faites très attention sur le timing où vous utilisez ce skill. Et surtout, ne le montez pas. Ou si vous avez vraiment 50 000 tomes, vous mettez 2000 euros dans le jeu par mois, montez-le en dernier. Ouais, ouais, franchement, c'est vraiment le skill. Enfin, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est pas ça qui rend Chiru. Ouais, clairement. Il y a, il y a d'autres persos qui font mieux que Chiru que fait ce skill. C'est ça. Tu m'as compris. Ouais, ouais, clairement. C'est juste que si jamais tous vos DPS sont morts, il vous reste une cible qui est vraiment très problématique, qui va pouvoir retourner la game et vous pouvez la finir avec Chiru. Là, vous pouvez le lancer. Mais c'est vraiment des cas spécifiques, quoi. La plupart du temps. Ça va pas être ça qu'on va utiliser. Et en plus de ça, voilà, vous allez gagner 40% de dégâts par dragon, ce qui est conséquent, mais je pense que le skill level 1 se suffit à lui-même la plupart du temps. Ouais. Au niveau du passif, du coup, ce passif, hein, donc vraiment Chiru, ça va être autour du deuxième et du quatrième skill. Donc ce passif qui vient tout simplement s'ajouter au deuxième skill. Donc Chiru, il peut stack jusqu'à 5 à 10 âmes du dragon. Donc, vous vous souvenez, ça permet de mieux heal, de lancer plus de dragons et aussi, on va le voir avec ce skill, de taper plus fort. Donc c'est vraiment la base. Lorsque Chiru est attaqué, il contre-attaque à hauteur de 60 à 130% de dégâts physiques. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le level du skill est très très important. Pourquoi? Parce que level 1, il va faire 60% de dégâts sur les contres, level 3, 80, level 4, 90 et level 5. Pas moins de 130%, donc vous voyez qu'il y a quand même 40% de différence entre le skill level 4 et le skill level 5. Sur un compte qui va proc plutôt pas mal de fois, vous pouvez en mettre 2-3 par tour. Ça rajoute quand même pas mal de dégâts. Et du coup, chaque âme du dragon sur show, comme je vous l'ai dit, va ajouter un bonus de 10 à 35% de dégâts physiques. Donc ça va vraiment être la façon de jouer le perso. Il faut faire très attention à la façon de consommer ces âmes. Elles vont vous servir à faire des dégâts, à soigner, à taper plus fort. Donc, quand vous les utilisez, il faut les utiliser vraiment avec précaution. Si un allié, donc on revient sur le skill 1, dispose d'une marque du dragon et attaqué Chiru, il a 50 à 100% de chance de contre-attaquer également. Donc, pourquoi ce skill 1? Je vous conseille totalement de le mettre level 5 pour avoir 100% de chance de contre-attaquer sur un allié qui a la marque du dragon. Pour avoir 130% de boost sur les dommages, clairement. Et gagner, vous gagnez tout en fait. Vous gagnez plus d'âme du dragon, donc plus de dégâts par âme du dragon et plus de dégâts physiques. Et ouais, c'est vraiment le skill à monter, quoi. Donc voilà, on va y venir d'ailleurs. Les skills à monter, donc jouable. Daniel a mis 3-2-1-4. 3-2-1-4, pourquoi le premier skill à 3? Tout simplement parce que ça va permettre à 100% de mettre la marque du dragon sur un allié. Donc je pense que c'est une précaution qu'il faut prendre absolument le premier skill. Ouais, pour moi, parce que sinon le skill 1 il sert à rien. Si t'as pas les 100%, ouais, c'est ça, moi, ouais. Vous allez marquer un perso, mais il va peut-être pas contrer derrière, donc pas très utile. Le skill 2, clairement, toi t'as mis donc jouable 3-2-1-4, très bon 4-4-1-5. Et impactant 5-5-3-5. Bon, impactant, c'est vraiment si t'es well tier. Bah déjà, dans très bon, il est déjà assez impactant. Ouais, ouais, clairement. Bah, pour vous donner un ordre d'idée, moi, à la base, je pense le jouer 3-5-1-5 ou 4-3... merde. Attends. 3-5-1-5 ou 4-5-1-5. Ouais, moi, je pense partir sur 4-5-1-5 aussi. Parce que, pourquoi 5? Parce que 5 pour le skill 2 qui va permettre d'avoir un plus gros boost, de mieux heal, de mieux tank, d'avoir un plus gros boost de PV et de bouclier. Et voilà, ça c'est déjà beaucoup en fait.
Le skill 5, pourquoi? Parce que le skill 5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va permettre de tout faire, hein, des dégâts de mieux heal. En fait, ça va vraiment de pair, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a tout qui s'emboîte et c'est vraiment un perso qui consomme énormément de tomes, ça je le conçois, mais il va vraiment vous les rendre. Et c'est juste le meilleur tank du jeu pour moi. Ça vaut le coup, hein, ça vaut vraiment le coup, franchement. Alors moi, au vous niveau... pouvez, vous pouvez investir vos tomes dedans sans problème. Ouais, ouais, non, mais que, moi je vais la chercher. Je pense après je serai à poil pour ce qui arrive après, mais bon, tant pis. Ouais, tant pis. Hein. On refermera derrière pour Hypnos, ça. Ouais, je te jure. Alors, au niveau du build, du coup, on va avoir de la PRP pour... Donc, la PRP qui va donner de l'attaque physique en pourcentage. Feu de cristal qui va donner de la vitesse et de l'attaque P. Ténacité qui va donner de la défense P et de la vitalité, donc DPV. Serpent à deux cornes qui va permettre de taper plus fort, donc en légendaire, lorsque vous jouez après l'ennemi. Donc, les contres seront plus forts. Le deuxième build, ça va être donc plutôt axé sur le critique. Ça va être goutte de feu, donc qui va donner du critique et le set donne 10% d'HP en plus, donc permettre de mieux tank. Au niveau de la bleue, ça va être ténacité. Non, c'est pas ténacité. Ferveur, ça s'appelle. Ferveur, pardon. Ferveur qui va augmenter vos taux de critique, donc sur les contres, ça peut vraiment faire très mal. Et la troisième, donc les fleurs jaunes, je sais plus le nom, qui va Spirit permettre. Print, enfin, empreinte spirituelle. Empreinte spirituelle qui va permettre du coup. D'avoir des... C'est résistance à dégâts cosmiques. Et exactement, voilà. Résistance à dégâts cosmiques. Là où ténacité donne de la vie et de la défense P, là on va avoir de la vie et de la défense cosmique. Qui... Et de la résistance cosmique, c'est pas pareil. Ah, c'est résistance cosmique en plus. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, oui, ouais, clairement, c'est beaucoup plus intéressant. Pour... Ça, c'est très fort sur lui. Hein. Ah oui, clairement. Et puis Jonky. Alors Jonky, voilà. Jonky, moi, la légendaire que je trouve très très forte, surtout que... Il va souvent rester chéri à la fin lorsque vous avez Jonky, parce que le perso... Alors, en fait... Jonky, c'est quoi? Ça va permettre tout simplement, plus vos PV sont bas, plus vous faites de dégâts. Si s'ils viennent focus Shiryu en premier lieu, en fait, déjà faut y aller pour baisser son shield et ses PV max, et en plus de ça, il va contrer. Donc plus il va prendre de dégâts, plus les contres vont faire mal. Et j'ai déjà vu sur des whales, hein, mais bon voilà, des 70k en contre lorsqu'il avait, je lui restais vraiment pas beaucoup d'HP, genre 20% quoi. Donc ouais. Jonky, moi je vous assure c'est une valeur sûre. Alors après il y a deux stats. Donc Jonky va donner des PV, ce qui est très bon pour tanker, et serpent à deux cornes va donner de l'attaque P et des de l'attaque C. Bon l'attaque C on l'utilise pas, mais l'attaque P va permettre de mettre des meilleurs contres. Donc ça dépend de la façon dont vous voulez jouer. Là on a deux builds. Vous pouvez même mixer les deux, hein. Il y en a un qui est plus axé critique, l'autre attaque P. Moi personnellement je pense jouer donc pierre P, feu de cristal, ténacité, j'hésite entre les ténacités et donc les autres runes, tout simplement pour voir si j'ai des bons stats. Si j'ai des bons stats, je prends celle clairement qui donne de la résistance aux dégâts C, ça va permettre de mieux tank Miyu, qui va faire plus de dégâts sur les persos à bouclier, donc sur Shiryu, et Jonky pour la légendaire. A noter que pour les bleus, si vous voulez vraiment contrer Miu, il y a un build possible aussi avec les néants. Néant, ok, oui, ça va rajouter de la pénétration cosmique qui sert strictement à rien sur Shiryu, mais surtout ça va rajouter de la résistance aux dégâts cosmiques qui est super intéressante sur Shiryu, parce que le premier problème de Shiryu, c'est que Miu va taper beaucoup plus fort sur lui vu qu'il a un bouclier et que Miu a un boost sur les persos qui ont les boucliers. Donc, plus vous augmentez la résistance aux dégâts cosmiques, plus il résistera au mieux. Ouais, clairement. Au niveau, d'ailleurs, comment parler de Shiryu sans parler de Shura? Shura, oui, bon, alors qui ça, c'est un autre problème. Coup, l'Excalibur avec laquelle il contre, bah, ça va être tout simplement votre point faible. Parce que Shura, avec son Reaper Close, va permettre de sortir, donc de repousser un adversaire. Et repousser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va le sortir des shields, des lianes de June, etc. Et donc, du shield de Shiryu. Sachant que Shiryu ne peut lancer qu'une seule fois son shield et qu'après le sort se transforme en sort qui heal, ça sera impératif de faire attention au Shura adverse, parce que il suffit que le Shura adverse vous sorte du bouclier de Shiryu pour que vous soyez à sa merci et que vous preniez la totalité des dégâts. Donc Shura, très très gros danger contre Shiryu, vraiment, faites ouais, très attention. Quelques petites choses à noter sur Shura. D'une, faut pas se dire Shura il n'est pas présent. Si, depuis qu'il a eu son up, je vous assure que moi en légendaire je recroise une game sur deux, c'est ouais, très 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 présent. De deux, Shura sur son skill 1 et sur son skill 2, donc même sur son auto-attaque, il peut
virer les persos du bouclier de Shiryu. Donc c'est à noter. Il n'a pas besoin de lancer, il a pas besoin d'avoir de l'énergie pour jouer l'adversaire. S'il balance bêtement une auto-attaque, il peut éjecter votre perso du bouclier de Shiryu. Faites attention à ça. Et de 3, Shura a obtenu un super up de vitesse. Il est très 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 rapide. Donc faut vraiment faire gaffe, faut vite le contrôler. Ou alors faut le ban. Quand vous voulez jouer. Après, je sais pas, ouais, le ban, je me demande. Hein, si je me suis demandé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de persos à ban et je pense pas que ça soit la priorité. Donc, c'est pas la priorité, mais je peux t'assurer que Shura, c'est très emmerdant. Moi, depuis que je l'ai versé, je le joue souvent. C'est très 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 fort. Ouais, clairement. S'il a 2-3 stacks, ça one shot. Hein. Non, mais vous pouvez être sûr que contre Shiryu, il y aura des Shura qui seront sortis. Vous pouvez être persuadé de ça. C'est. Bah, déjà que depuis quelques jours, ils sont sortis, les Shura. Là, je peux vous assurer, ça va être la folie. Hein. Ils vont y en avoir partout. Non, mais clairement. C'est le contre. C'est le contre, et donc faudra faire attention. Et bien, j'ai rêvé avec un Missy plus rapide ou un Minos plus rapide. Donc, voilà. Faudra faire attention à cette menace. Donc, perso, donc il est très fort. Hein. Il permet de tank, de contrer, de soigner. En plus de ça, il va venir tout simplement prendre les dégâts, 70% des dégâts des deux élèves qui sont adjacents. Et au niveau des inconvénients, bon, on va voir Shura du coup. Il va demander beaucoup de tomes bleus, c'est vrai. Et c'est vrai que sans les contres, vous avez très peu de dégâts. Donc l'essentiel des dégâts, c'est skill 3, mais comme je vous l'ai dit, on va très peu l'utiliser la plupart du temps. Et puis voilà quoi. Voilà pour ce petit Shiryu qui va avoir comme stat principal les PV, donc S au niveau de l'attaque, défense et vitesse. On va avoir du A, donc il a quand même 310 de vitesse de base, qui est assez élevé, et une stat C au niveau de l'attaque C et de la défense C. Donc c'est vrai qu'au niveau de la défense C, elle est plutôt basse. Faut faire attention. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre emprunt spirituel. Ouais, clairement, faut faire attention à ça. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, tout à fait. Voilà pour cette petite vidéo. Écoutez, si vous avez un avis différent ou vous voulez ajouter quelque chose, bah n'hésitez pas comme d'hab dans les commentaires. Les petits sondages qui est là. N'hésitez pas à cliquer pour dire si vous le trouvez pété ou pas, hein, ça fait plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié. Je mets les petites fiches de Dan si vous voulez aller voir sur son Twitter qui est dans la description. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. À la prochaine. Salut, ciao.